Alors ici on est à la demi-finale, c'est Miss India Guadeloupe, la 8e édition. Il faut savoir que je suis le président de Miss India Guadeloupe, mais aussi de Miss India Martinique, donc, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Donc Miss India Guadeloupe cette année, c'est beaucoup de candidates, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance. Et j'espère que cette année, la future représentante sera digne de ce nom, comme toutes les autres années. Sont très belles. J'ai bien peur d'être remplacée dès maintenant, mais malgré le stress, elle s'accroche vraiment. Et il y a quelques petites erreurs, mais franchement, par rapport à tout ce qui va arriver derrière, ce n'est rien. Donc voilà, je leur souhaite bon courage et elles brillent, elles sont belles. Alors pour moi, l'aventure Miss India, c'est une très bonne expérience. J'ai vu une très belle aventure avec mes amis, maintenant je pourrais dire. On s'entend très bien et voilà, on n'est pas du tout dans l'esprit de compétition. On vit juste un super bon moment et voilà, on profite, on s'amuse. Ben les filles, bon, ben comme toute élection, les filles sont un peu stressées. On essaie de les encourager, que ce soit la Miss Teen, la Miss et moi-même la Missis. Pour moi personnellement, j'ai eu une très bonne impression. J'ai passé une très belle année avec beaucoup de découvertes, beaucoup de partage, parce qu'avant tout, la culture de Guadeloupéenne, c'est du partage. Je tenais justement à remercier Saint-Rita parce que c'est la prof justement de l'association. Elle nous a super bien briefé. Toutes les chorégraphies que vous voyez de Bollywood traditionnel, c'est elle. Je tenais vraiment à la remercier. Merci beaucoup. Parce que franchement, sans elle, je ne pense pas que j'aurais pu le faire et de pouvoir participer. Elle a briefé vraiment les Miss Teen, les Miss India et surtout les Missis, de ma catégorie surtout. Merci beaucoup. Alors, je tenais à dire que je ne suis pas la seule dans cette équipe. On est à plusieurs sur ce travail et c'est un travail qui est très compliqué, mais c'est notre passion et nous le faisons du mieux que nous pouvons. Donc merci beaucoup Coralie et c'est un plaisir de les aider. Je suis Jocelyn Agapin. Depuis une quarantaine d'années, je milite pour la culture indienne et plus précisément la culture guadeloupéenne et le pan indien de cette culture. Miss India est une très belle organisation. Depuis 8 ans que nous faisons cette élection en Guadeloupe et en Martinique et nous avons de bonnes presses justement. Ça s'incruste justement dans le paysage culturel guadeloupéen et petit à petit nous faisons notre place en quelque sorte. Alors il ne faut pas oublier que Miss India a, je dirais, 2 facettes. La facette pour promouvoir la culture guadeloupéenne, mais aussi la facette promouvoir la culture indienne.